Démarrons cette deuxième lecture de la une des journaux avec le journal Maison Fraternité qui titre à sa manchette « Effectivité du transit du pétrole du Niger par le Bénin, vivement la réouverture des frontières pour boucler la boucle, le réchauffement des relations est un enjeu majeur ». Lancement officiel de l'examen du CQM, session d'avril 2024, Modeste Kérékou et Yves Kouaouchabi donnent le top à Porto Novo. Le télégramme, mutation de l'agence Standard & Poor's, le Bénin parmi les meilleurs crédits d'Afrique subsaharienne. Radié de l'armée béninoise, le militaire a formulé un recours devant la Cour constitutionnelle. Nord-Sud quotidien, enseignement primaire, les subventions allouées aux écoles publiques. RGPH5, la cartographie en cours dans 114 communes. Élection à la Hague, la coalition dynamisme écoute les candidats. Matin libre, déclassement du stade Mathieu Kérékou par la CAF, le gouvernement Toundou a ses responsabilités. Marche de protestation contre la cherté de la vie, la COSI appelle à la mobilisation. Bemberaquet, un enfant de 11 ans foudroyé. Le matinal, protestation contre la cherté de la vie, les travailleurs dans la rue samedi, une marche pacifique pour exiger des mesures d'atténuation. Lutte pour la sécurité routière, Rachid Ibanamassi fait des propositions aux députés, c'est-à-dire la page 2 du journal Le Matinal.